Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Programme sportif ce soir sur TV7, on va parler football avec notre invité Florian Brunet, c'est le porte-parole des Ultramarines, un groupe de supporters des Girondins. Alors que le club a lancé une grande consultation autour de l'avenir des Girondins de Bordeaux, il va nous livrer son ressenti sur les perspectives des Marinés Blancs dans un instant. Du rugby également au programme avec l'UBB qui s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile, une défaite qui éloigne les espoirs d'une qualification pour l'Union. Mathieu Dalzo en parle ce soir avec Clément Ménédier, le talonneur de l'Union Bordeaux-Bègles. Et on fait également le point sur la saison des hockeyeurs bordelais dans Sauce Sportif avec Bastien Loquet et qui reçoit le président des Boxers. Il nous fait aussi revivre le meilleur du sport amateur grâce à l'application Rematch. Et tout de suite les titres de l'actualité. Dix jours de travaux qui débutent aujourd'hui sur la ligne C du tramway. Une bonne partie des stations de la ligne ne sont pas desservies, de quoi perturber les habitudes des voyageurs qui se rendent à la gare Saint-Jean pendant ces vacances de Pâques. On vous explique tout dans ce journal. Fabienne Bouccio a pris ses fonctions aujourd'hui. Cette femme de 59 ans, ancienne préfète de Normandie, remplace Didier Lallemand comme préfète de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine. Elle a fixé ses objectifs ce lundi. La météo, les nuages présents dans la matinée vont laisser place à de belles éclaircies demain après-midi. Les températures maximales comprises entre 15 et 17 degrés sur le littoral et entre 19 et 21 degrés dans les terres. Ça devient une habitude à Bordeaux. Vacances riment avec travaux. Et ces vacances de Pâques n'échappent pas à la règle. Plusieurs chantiers sont lancés cette semaine et notamment sur la ligne C du tramway dont un tronçon est complètement fermé à la circulation. Les détails avec Amandine Roncon. Pas de tramway ce lundi sur la ligne C entre le Grand Parc et la gare Saint-Jean et ce jusqu'au 19 avril. Du 20 au 25 avril, le tramway sera cette fois interrompu de Quinconce à Gare Saint-Jean. Au total, une dizaine d'arrêts sont concernés. La raison, des travaux de maintenance sur les rails et plus précisément sur l'alimentation par le sol. Aujourd'hui, ces rails APS sont cassés, hein. Ils ne peuvent plus fonctionner, donc on met ce qu'on appelle dessus une rustine. Et quand le tramway passe sur cette rustine, il active ses batteries, c'est-à-dire qu'il est en situation dégradée. Là, aujourd'hui, on refait ces rails APS qui sont beaucoup plus solides sur la nouvelle génération, sur les carrefours des Halles de Munich et des Halles de Bristol, de façon à pouvoir ne plus actionner les batteries chaque fois que le tramway passera et diminuer de ce fait les pannes sur les différentes rames. Au total, ce sont 1400 coffrets APS plus fiables qui vont être installés, soit 50 par mois. Des travaux qui ont demandé aux usagers de s'adapter. Pour eux, différentes mesures ont été mises en place ce matin. Sur une partie du réseau, ils sont obligés de prendre des bus. Mais de toute façon, il y a des panneaux d'information. Nous, on est particulièrement vigilants. Et il y a des gens avec des gilets clairement identifiés qui dirigent les usagers vers les endroits où il y a les bus de substitution. Alors c'est peut-être un problème un peu pour les touristes qui n'ont pas la lisibilité du réseau, mais bon, les gens s'adaptent et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, quel que soit le réseau, il y a toujours des travaux d'entretien, c'est tout à fait logique. 8 mois de travaux seront nécessaires pour rénover les rails. Une nouvelle phase est donc prévue cet été, au mois de juillet et au mois d'août. Il faut s'habituer, notre tramway a 15 ans et donc une maintenance est nécessaire si on veut le faire aller jusqu'à 40 ans, puisque c'est prévu ainsi. Retour à la normale sur la ligne C du tramway à la fin des vacances de Pâques, le 26 avril prochain. Voilà le tram C qui est donc interrompu cette semaine entre les stations Grand Parc et Gare Saint-Jean. De quoi perturber les habitudes des voyageurs et des touristes. Écoutez. On est arrivé à la gare de Saint-Jean. On nous a dit qu'il fallait prendre un bus relais pour venir jusqu'au Quinconce. Bon, ce qu'on peut comprendre, hein, s'il n'y a pas de tram, on est obligé de faire avec. Mais par contre, arrivé à l'arrêt du bus relais, on ne nous a pas transmis qu'il fallait prendre le bus là-bas au lieu de le prendre ici. Donc en fait, on n'arrête pas de se balader, on fait aller, venir. C'est un peu agaçant. Avec la grosse valise, c'est pas pratique, c'est pas le jour, franchement. Il fallait le dire avant. Désolé. Moi, je n'étais pas au courant du tout. Ils ont communiqué avant, mais... Ben moi, je ne suis pas d'ici, je n'ai pas su. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de tram C, à notre grand désarroi. Et donc, on va prendre les bus relais. Ben, je n'ai pas d'infos, non. Il n'y a pas de tram, il n'y a pas d'affichage, je n'en vois pas. Donc, on me dit qu'il faut prendre le bus relais qui est avenue de Bristol. Donc, je vais essayer de le trouver. Ah non, mais on rentre chez nous, là, à Paris. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
ce matin. Il n'y a pas de tram, voilà. Vous êtes satisfait quand même des informations? Ah, heureusement que la dame est venue à notre secours. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle nous a indiqué l'endroit pour récupérer le car de substitution. J'espère qu'elle m'a bien renseigné, la dame, que je ne vais pas marcher pour rien. Mais je prends les bus en relais. Voilà, tout simplement. Voilà, des bus de substitution qui sont donc mis en place pendant ces travaux, pendant les vacances de Pâques sur la ligne C du tramway. Et puis, autre chantier lancé pendant ces vacances, une opération nettoyage des garde-corps sur le pont Chaban qui nécessite la suppression d'une file de circulation. Cette semaine, ce sera, vous le voyez, dans le sens quai de Brazza vers le quai de Bacalan et puis dans l'autre sens la semaine prochaine. À noter aussi d'importants travaux de rénovation des chaussées de l'autoroute A10 entre le péage de Virsac et la rocade de Bordeaux, ça a débuté ce lundi. Ils s'achèveront en juin 2020. Plusieurs nuits de fermeture sont prévues, et notamment cette semaine dès ce soir et jusqu'à vendredi. La nouvelle préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui. Fabienne Bouccio remplace Didier Lallemand, nommé préfet de police de Paris. C'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste en Gironde. Originaire des Hautes-Alpes, sa carrière l'a notamment conduite à diriger la préfecture du Pas-de-Calais entre 2015 et 2017, deux ans durant lesquels elle fut en lumière avec la gestion de la crise des migrants et de la jungle de Calais. C'était aujourd'hui sa première sortie en public en Gironde. Elle a déposé une gerbe au pied du monument aux morts du quartier Mériadec. Son objectif, assurer la continuité de l'État, mais en appliquant sa propre méthode. Écoutez. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, de tout recommencer à chaque changement de préfet. Au contraire, on s'installe dans la continuité de ce qu'a fait son prédécesseur. Je ne suis pas une femme qui va tout bouleverser, mais néanmoins, avec ma méthode, au fil du temps, je vais insuffler en fonction de ce qui sera, me semble-t-il, ce que j'aurai défini comme étant essentiel et dans la méthode de travail et dans les dossiers. Voilà, j'ai ma méthode à moi, mais c'est une méthode qui se place dans la continuité de mon prédécesseur. Je ne sais pas si l'État se doit d'avoir des sensibilités. Oui, je suis sensible aux dossiers de notre temps, hein, le problème climatique, bien sûr qu'il faut préserver les surfaces agricoles, bien sûr qu'il faut faire attention à la montée des eaux, agir sur l'urbanisme en conséquence. Il ne faut pas qu'on soit inconscient et aveugle en ne voyant que l'immédiateté. Il faut penser aussi sur la durée. Et le rôle de l'État, c'est aussi de se positionner pour dans 10 ans, dans 20 ans, voire dans 50 ans. Comment se positionnera ce département, cette ville, cette région dans la France et dans l'Europe? Ce que vous avez fait en Normandie n'est pas forcément duplicable en Gironde. Non, je pense que ce serait une erreur. Je ne viens pas avec des idées. Il y a des choses qui ont bien marché en Normandie, que je pourrais avoir tendance à vouloir répliquer ici. Mais ici, il y a aussi des habitudes, des choses qui ont avancé. Je me laisse toujours un temps, il ne faut pas que ce soit trop long, pour regarder comment ont été mis en place les choses. Si ça avance, si ça progresse de façon satisfaisante, pourquoi est-ce que je vais changer quelque chose qui marche ? 3 jours sous le signe du nautisme à Arcachon, c'était ce week-end la 6e édition du Salon Nautique. 161 exposants et près de 50 000 visiteurs. Ces 3 jours de fête sont l'occasion de découvrir le meilleur de la filière nautique avec de nombreux professionnels et constructeurs locaux, mais aussi la présence de grandes marques nationales et internationales. On pouvait également y visiter le Marité, le dernier terre-neuvier en bois du patrimoine français. À Rochefort, après 18 ans de construction de la frégate, l'association Hermione Lafayette a développé un vrai savoir-faire. L'enjeu est maintenant de le préserver et de le transmettre. Alors depuis quelques mois, une nouvelle formation s'est mise en place à l'arsenal de Rochefort avec comme objectif de remettre en état le Cupidon Fou, un bateau du musée de la mer de Bordeaux. Regardez. Comme Bastien, ils sont 12 à travailler sur la restauration de ce bateau. À Rochefort, à quelques mètres seulement de l'Hermione, ils font partie de la nouvelle formation autour de la restauration de bateaux en bois. Car avec ses 18 ans de construction, la frégate de l'Hermione a développé un vrai savoir-faire sur le territoire. Et l'enjeu est donc comment le sauvegarder et le transmettre. Et avec quel intérêt pour la filière nautique régional. Après plusieurs années dans la restauration, Céline s'est lancée dans ce programme avec comme objectif de restaurer à l'ancienne ce bateau, le Cupidon Fou. Alors on a pris toutes les codes du bateau, on a reproduit le plan, on a refait le plan comme on appelle les plans du bateau. Donc on fait ça à l'ancienne avec des fils à plomb et des niveaux réglés. C'est
On n'a pas vraiment d'outils modernes, donc c'est vraiment, on apprend tout depuis le début. Ouais. On commence à être à l'aise sur le bateau, à apprendre pas mal de choses, et non, c'est sympa, c'est une bonne ambiance, et c'est instructif. Ouais. Voilà, le Cupidon fou à découvrir demain dans votre émission Mode d'emploi. Et puis le sport avec le rugby, première défaite à domicile pour l'UBB qui s'est incliné ce week-end face aux champions de France en titre. Bonsoir Mathieu Dalzovo. Bonsoir. C'est une défaite qui fait mal au club hein, dans la course aux qualifications. Oui, on avait déjà eu une première alerte la semaine dernière avec une victoire difficile contre la Lanterne Rouge Perpignan. On savait qu'Union Bordeaux-Bègles devait élever son niveau de jeu pour affronter le Castres Olympique, pardon, une équipe redoutable, hein, fait partie justement de ces grosses équipes du top 14 qui finissent bien, qui sont en forme au bon moment, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Union Bordeaux-Bègles qui tâtonne un petit peu, et évidemment, face à une équipe comme Castres Olympique, eh bien, ça n'est pas passé. C'est vrai que c'est dommage pour l'Union Bordeaux-Bègles qui voulait à tout prix rester invaincu à domicile, mais on le voit avec le classement à l'instant. Rien n'est fait encore. L'UBB a certes perdu des points précieux sur sa pelouse de Chaban-Delmas, qui affichait sa plus belle affluence de la saison, hein, plus de 30 000 spectateurs. C'est vrai qu'il y avait tous les éléments réunis pour passer un bel après-midi. Malheureusement, eh bien, les hommes de Christophe Furios, prochain manager de Bordeaux, quand même, c'est vrai que c'est un match assez particulier, battre les Bordelais à la maison. On l'a vu avec le classement. Tout est encore possible pour l'UBB. Il y a encore une chance pour l'UBB de se qualifier. Il faut être dans le top 6. On est 6e, mais ça avec passe. Les matchs qui arrivent, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est ça le problème. Vous voyez, effectivement, le classement, c'est très, très, très serré. Il y a des équipes qui reviennent bien. Je pense à Montpellier, Castres, qui est en train de s'envoler. Donc, en gros, il y aura 4 places, 4 clubs pour une seule place, cette fameuse 6e place. Pour l'instant, c'est nous qui la tenons, l'Union Bordeaux-Bègles. Mais vous le voyez, le prochain match, c'est un déplacement à Toulon. Toulon qui n'a plus rien à jouer, mais qui veut bien terminer sa saison, qui jouera sans pression, qui est en train de revenir fort aussi dans cette fin de championnat. Donc ce sera un déplacement très compliqué pour Bordeaux, qui ira ensuite à Lyon. Il faudrait vraiment une victoire à l'extérieur pour au moins rêver encore au top 6. En tout cas, on va en parler, voir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve le club, avec un des papas du club, un des leaders de ce groupe de l'Union Bordeaux-Bègles, puisque Clément Ménadier, le talonneur international de Bordeaux, sera avec nous tout à l'heure en direct à 18h40. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve donc dans Top Rugby avec Clément Ménadier sur TV7. Et puis côté football, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés à Saint-Etienne hier, score final 3-0. Les Marines et Blancs se retrouvent donc à la 13e place du classement de la Ligue 1. On va en parler tout à l'heure avec notre invité dans un instant, le porte-parole des Ultramarines, à la veille d'une soirée spéciale Girondins d'ailleurs, à suivre sur TV7. Demain, nous serons en direct du Haillan pour vous faire vivre la restitution d'une grande consultation des supporters. Ça sera donc demain à partir de 18h. Et puis le reste du sport, c'est dans Sauce Sportif. Et gros plan ce soir sur le club bordelais des boxeurs. C'est une saison de relance qui se prépare pour les hockeyeurs. Bastien Loquet en parle avec le président du club, Thierry Parianti. Et puis bien sûr, ce sera aussi l'instant rematch tout à l'heure dans Sauce Sport. Les plus belles actions du sport amateur saisi par les spectateurs grâce à cette application sur smartphone qui permet de ne conserver que les meilleures actions. Exemple ce soir avec le football, regardez. Le foot, alors là, l'instant douceur. Comment vous expliquer ? Il y a des moments magiques comme ça sur un terrain qui font qu'on se pose la question de savoir mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Et voilà, et là, sincèrement, vous allez voir le contrôle qui va suivre. Venue. Regardez. C'est magnifique. Alors elle part, elle retombe. Elle plein part de neige. Loin et haut. Pouf. Oh, ça colle, c'est juste magnifique. Ouh, dit le spectateur. Et donc, on s'est permis de ralentir. Ralenti. Le contrôle porte-manteau, la feuille morte, tout ce que vous voulez. En tout cas, sachez que ça ne bouge pas. Et là, on enchaîne directement avec le duel de la semaine entre Peugeot Le Plan, donc vidéo capturée par Max AMT. Et là, c'est magnifique, une petite action d'école, ça finit en douceur. Hop, magnifique. Allez, tranquillou, bilou. Et j'aime beaucoup le but qui vient aussi. Le but qui vient est juste magnifique. Donc, c'est la GJA Codéran qu'on connaît bien. Donc, c'est la deuxième vidéo qui participe regardez au duel de la semaine. La passe en profondeur. C'est juste magnifique. Tranquille. Et là, voilà, un petit hop, centre. Attention, ça sent la tête. Et finition, voilà. C'est magnifique. Donc j'en profite pour préciser que tout le monde pourra voter dès ce soir pour l'un des deux buts et pour les deux essais qui vont suivre. Donc ça va être annoncé sur les réseaux sociaux un peu partout. Ah voilà, le duel de la semaine en partenariat avec Sud-Ouest. Voilà, Sauce Sportif à voir tout à l'heure sur TV7 et le football. On va en reparler dans un instant avec notre invité Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines, et sur notre plateau juste après la pause.